La commission du règlement a décidé ce matin, bien sûr, de continuer ses travaux sur l'intégrité, la transparence, le comportement des membres de l'Assemblée, des travaux que nous avions déjà commencés. Mais nous avons aussi voulu adopter une déclaration qui puisse être publiée parce que nous sentons qu'il y a un grand intérêt pour les travaux de l'Assemblée sur cette question très délicate de la corruption. Et ce que je voudrais dire ici, c'est que à l'unanimité de la Commission, nous voulons réaffirmer qu'il n'y a pas de place pour la corruption au sein de notre Assemblée et que pour faire toute la lumière sur les faits passés et aussi nous aider à éviter qu'ils puissent se reproduire à l'avenir, nous demandons la création d'un organisme, d'un groupe d'enquête indépendant, externe à l'Assemblée, qui permette de restaurer la crédibilité dont nous avons besoin pour mener à bien nos travaux.